J'ai l'impression que cette vidéo ne va pas durer longtemps. Un book haul qui dure moins de 10 minutes. C'est magique. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour le book haul du mois d'avril et la pile est très basse. Il n'y en a pas de partout. Tout est bien organisé. Tout est bien rangé, c'est merveilleux. C'est magnifique. C'est inespéré. Aujourd'hui, je vais pouvoir prendre mon temps pour vous parler de livres puisque je n'ai pas une montagne. Je n'ai pas 25, 30, 35 livres à vous présenter. Non, j'en ai 9. Mais qu'est-ce qui se passe, Maud? Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ah non, 10. Parce que j'ai une lecture audio. D'ailleurs, on va commencer par elle puisque c'est une sorte de service presse. Je l'ai reçu grâce à Babelio et il s'agit donc de Dernière Terre de Clément Rivière. Voilà, vous pouvez voir que c'est un audio livre qui fait plus de 4 heures et il me reste 1h19 d'écoute. Nous sommes dans une histoire eh bien de zombies. Puisque en France, les zombies sont partout. Et un groupe de survivants va essayer de rejoindre l'Angleterre où bah, les zombies n'ont pas réussi à passer la Manche et à s'implanter, tout simplement. C'est vraiment un audiobook créé spécialement pour le format audio, puisque ce n'est pas un livre papier avec de la narration, c'est vraiment simplement des dialogues, des mises en scène, des bruitages, de la musique. Je vais vous en faire écouter un petit passage où je suis, donc j'espère que je ne vais pas vous spoiler, mais je vais faire un très court passage. Solidement. Et tout le monde fuit. Ça ne veut pas fuir. Je comprends. Mais mon frère nous attend en Angleterre. Ah, on serait bien resté, hein. Vous êtes un pied de menteur, mon fils. En un sens, c'est une marque d'intégrité. Vous savez ce que l'on dit? Dieu reconnaîtra les siens. Donc vous remarquez le magnifique accent belge? Voilà. C'est un court extrait, il y a pas mal de personnages, c'est plutôt marrant comme lecture parce qu'il y a des vannes complètement pourries, mais cet humour me fait rire. On continue avec les services presse papier cette fois-ci et je vous présente Orphea Fabula et l'étoile de Saint-Pétersbourg de Marie Alino, paru chez Pulp Fiction. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un certain temps, vous savez que j'ai lu les 3 précédents tomes. Nous sommes ici dans une intrigue de Orphea Fabula qui est une espionne de 12 ans, 12, 13 ans, je ne sais plus, qui remonte le temps et qui part en mission. Toujours les mêmes hein, missions. Le principe, c'est de rapporter dans notre présent des pierres, des cristaux. Ce tome-ci ne déroge pas à la règle. On va être dans la Russie du début du XXe siècle, donc quelques années avant la révolution de 1917. Et on va se retrouver dans un ballet. Le ballet russe. Orphea va devoir s'intégrer au petit rat de l'opéra, aux petites ballerines, et trouver ce cristal qui est soi-disant un porte-bonheur pour le chef de l'école de ballerines. Je l'ai déjà lu, c'était très très sympa, je vous en ferai un point dans un point lecture qui se passera je ne sais pas quand. Puisque je n'ai jamais en tête hein, mes vidéos quand je tourne le book haul. Mais je vous en parle très bientôt puisque, comme d'habitude, c'est un tome où il y a bien plus que cette simple enquête. On va revenir dans la société russe à cette époque. C'était très intéressant et je vous en reparle bientôt. Un livre que vous avez déjà vu, que j'ai déjà chroniqué sur la chaîne, que je ne vous avais simplement pas montré encore en book haul, il s'agit de La Tour sans fin de Pascal Brissy, paru chez Scrineo. Nous sommes dans une dystopie, nous allons suivre Titus Prime, qui est un jeune ambassadeur dans ce monde où la terre est infertile, la terre est radioactive, les hommes ont érigé des immenses tours pour survivre. Nous sommes dans une société hiérarchisée où les plus puissants sont en haut, les plus défavorisés en bas, et Titus est fier d'être un ambassadeur de 13 ans qui a monté les échelons, sauf qu'il va être accusé du meurtre de son mentor et il va chuter
dans cette hiérarchie à cause de ça. Et voilà, c'était une lecture très sympa. Je vous renvoie à mon point de lecture précédent. On continue chez Scrineo avec Je n'existe plus de Béatrice Bottet, paru chez Scrineo, bien sûr. Nous sommes dans un roman de science-fiction où nous allons suivre Armance, qui a monté une société avec son meilleur ami, Al, dans une société futuriste, hein, bien dans notre futur, bien loin. Elle va participer à une expérience, parce que le truc à la mode, c'est de connaître ses ancêtres, et plus on remonte loin dans le passé, plus c'est prestigieux. Donc Armance va servir de cobaye à une nouvelle société, et elle va apprendre qu'elle est la descendante d'un prince en 1600 et quelques. Sauf qu'après cette expérience, elle va se rendre compte qu'elle n'existe plus, enfin, que les gens ne s'adressent plus à elle, qu'ils ne lui répondent plus quand elle s'adresse à eux, qu'elle commence à devenir invisible. Et c'est un problème, n'est-ce pas? C'est pareil, je vous en ai parlé dans un précédent point lecture. Et le dernier service presse me vient encore et toujours de chez Scrineo, donc je suis gâtée. Avec Les Noces de la Renarde de Floriane Soulas. Je pense que c'est une sortie que beaucoup de personnes attendent et je l'ai reçue déjà depuis quelques jours. Le mois de avril n'est pas encore terminé, il sort le 2 mai et je pense que je vais bientôt m'y attaquer puisque je ne l'ai pas encore lu. Nous sommes dans deux temporalités, nous allons suivre Ikari en 1461 au Japon. Ikari qui vit dans une forêt peuplée de petits dieux de la province d'Izumi. Elle a toujours été fascinée par les humains, sauf qu'elle n'a pas forcément le droit de les côtoyer. La seconde temporalité, c'est en 2016, à Tokyo. Mina a le pouvoir de voir les yokai. Ce sont des esprits, des monstres du folklore japonais. Et voilà, elle est très solitaire à cause de ce don. Et je n'en sais pas plus et je ne veux pas en lire plus et me spoiler ou quoi puisque ça va être une de mes prochaines lectures. On passe à mes achats ou ici en l'occurrence à mes trouvailles puisque je suis allée faire un bon dépôt dans une boîte à livres pas très loin de chez moi. La même boîte à livres qui il y a quelques temps avait été inondée, n'était pas du tout étanche. Là ils l'ont refait à neuf, tout beau, tout bien. Et donc je suis allée déposer beaucoup de livres, hein, une quinzaine, vingtaine de livres là-bas. Et je suis repartie avec un livre. J'ai été hyper raisonnable, n'est-ce pas? Je suis repartie avec La cicatrice de Bruce Lowery, paru chez J'ai lu. Voilà, c'est ma collection vintage. J'en ai des livres comme ça qui datent de très longtemps. Par contre, il pue. Ça c'est le problème des boîtes à livres. Il sent l'humidité ou je sais pas quoi. La boîte elle a l'air d'être étanche mais les livres en prennent un coup quand même. Pourquoi j'ai pris ce livre? Parce que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps ou ça date peut-être un petit peu déjà sur la chaîne de Call Me Sab et qu'elle l'avait lu dans un challenge petite lecture, 30 lectures en un mois, en 30 jours. Et qu'il me semble ça l'avait bouleversée. Donc je me dis que voilà, hein, boîte à livres, allez, je peux toujours le prendre. Et les 4 prochains livres, puisqu'il n'y en a plus que 4, ça va être des livres que j'ai achetés sur Price Minister, sur Rakuten. Alors, c'est aussi dans une boutique. Le premier, il s'agit de Gardien des Cités Perdues, le tome 7, Réminiscence. De Shannon Messenger, paru chez Lumen. Bah, c'était le dernier qui me manquait, hein, simplement. Je me suis arrêtée pour l'instant à la lecture. Je suis au 5, j'ai lu le 5. Il faut que je lise le 6 et le 7. Mais ils sont de plus en plus gros. Et je trouve qu'il se passe de moins en moins de choses. Donc bah, je l'ai pris, hein, parce que c'était c'était l'occasion. Je l'ai trouvé dans cette boutique, mais je sais pas. Je suis un peu chafouin avec cette saga, un petit peu. Et à la base, j'ai commandé surtout pour celui-ci, Vicious, de Vichua, paru chez Lumen, parce que voilà, malgré beaucoup d'avis négatifs, j'en ai vu beaucoup, j'avais très envie de lire ce livre, parce que Shades of Magic,
Quasiment tous les tomes, j'ai eu un coup de cœur, donc voilà, je voulais continuer avec avec V. Schwab, et mon aventure s'est très bien passée, puisque j'ai beaucoup aimé ce livre. Voilà, je vous renvoie à mon point lecture qui en parle précédemment. Je suis raisonnable, et en plus, je lis les livres que j'achète quasiment tout de suite. Et pour finir, les deux derniers livres, je les ai achetés sur la boutique de Deux Citres sur Rakuten avec ma petite cagnotte que j'avais, hein, soyons sincères. Et surtout, ce livre aussi, je ne le voyais pas sur les plateformes habituelles. Donc sur Amazon et sur la Fnac, il n'était qu'en e-book. Quand je l'ai vu en papier sur Deux Citres, je me suis empressée de le prendre. Sauf qu'il a mis plus de 3 semaines à arriver. Et entre temps, ben, il est apparu sur la Fnac et Amazon et tout et tout. Mais je l'ai dans mes mains et il sera lu bientôt pour le mois de la fantaisie. Il s'agit des Rumeurs d'Issar, le tome 2. Le jugement des sabliers de Marie Caillet. C'est de l'autopublication, c'est pour ça qu'il était un petit peu difficile à trouver. Hein. Voilà, il est sorti le 14 mars, je l'ai reçu aux alentours du 16 avril. Tout va bien. Tout va bien. Depuis, je lorgne dessus, je le vois tout petit, ça me fait peur. Pour rappel, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et c'était il y a 2 ans, pour le mois de la fantaisie, il y a 2 ans. Voilà, je l'avais lu en avant-première grâce à Ned Galley et par la suite je me l'étais acheté. Voilà, on suit Edjan dans un monde avec un folklore des mille et une nuits. Edjan est vendeur de... non, réparateur de tapis volants. Il a un ange qui est né de son pouvoir, de son amulette. Et donc il est un ange gardien. Sauf que tout le monde ignore qu'il est un ange gardien. Normalement, les anges gardiens sont récupérés par le pouvoir et servent de protecteur au roi, etc. Sauf que Edjan, eh ben, son ange est apparu en dehors du circuit et... il n'est pas très glorieux son ange parce que c'est Kez. Et c'est un petit poney un peu dodu. Bon, c'est très drôle. Moi, j'adore vraiment le premier tome. Donc j'ai trop hâte de me plonger dans la suite. Et le dernier, il est même encore emballé. Hein, je ne l'ai pas sorti de son emballage, comme ça, ça le protège. Il s'agit de Reborn de Alex Caro chez Casterman. C'est la suite de Remade. Voilà, on est dans du post-apo. Oui, c'est un virus qui décime un petit peu tout le monde hein, à la vitesse grand V. Et donc on va continuer, je pense, à suivre les personnages du tome 1. Enfin, ceux qui sont encore en vie, quoi. Oui. Voilà. Bon, c'est terminé. Je ne suis pas sûre qu'au montage, j'arriverai à couper pour faire 10 minutes. Finalement, j'ai été hyper bavarde parce que du coup, j'avais le temps de me pencher sur chaque livre, donc je l'ai fait. Hein, ne m'en veuillez pas, tant pis. Hein. Mais voilà, je suis assez fière de moi, je continue sur une bonne lancée à ne pas acheter trop de livres parce que de toute façon j'ai plus de place. Voilà, sincèrement, mes bibliothèques débordent. Je voulais pas être vulgaire. Voilà, je suis raisonnable. 2019 sera l'année de la raisonnabilité. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour un de ces livres, si peut-être je vous ai donné envie d'en acheter certains. Voilà, hein, je suis le petit diable sur votre épaule, vous voyez. En attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.